She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Bonsoir. Je suis Patrice Araza, responsable de la Fally Ipupa Foundation, et je viens à travers cette vidéo offrir une opportunité à une grande artiste camerounaise, Lady Ponce, pour nettoyer ou pour consoler, je ne sais pas quel mot vous conviendra le mieux, pour harmoniser avec Lady Ponce qui se sent touchée et qui a fait un appel à une incitation à la xénophobie. Aujourd'hui, le monde est un et les citoyens du monde peuvent aller répondre à des demandes, aller satisfaire des communautés, aller répondre, aller rejoindre des opportunités selon qu'ils sont sollicités et selon leurs compétences. C'est comme ça que nous avons vu le vaillant Francis Nanou aller combattre en Arabie Saoudite et y toucher un énorme pactole, alors qu'il existe là-bas des boxeurs et des lutteurs qui n'ont pas été frustrés. Nous avons vu Samuel Eto'o, le lion, qui jouait en Russie, dans le championnat russe, et il y touchait à l'époque le plus gros salaire du monde du football. Il existe des footballeurs russes, ça n'a dérangé personne. Nous avons vu tout récemment Rema, Burna Boy, Davido ou Fally Ipupa qui ont presté lors de l'ouverture de cérémonies officielles dans des pays dont ils n'étaient pas forcément ressortissants ou originaires. Parce que le monde est un, parce que les échanges culturels doivent exister. C'est dans ce cadre-là que nous voulons offrir à la population de Kinshasa Lady Ponce en concert au Stade des Martyrs jusqu'à 120 000 places ou au Stade Tata Raphaël jusqu'à 80 000 places. Ceci pour clôturer les festivités des 10 ans d'existence de la Fally Ipupa Foundation ici à Kinshasa. Nous voulons offrir un grand show et nous espérons que Lady Ponce pourra réagir parce que nous avons vainement tenté de la joindre ainsi que son management. Faites-lui parvenir ce message. Kinshasa lui est ouvert. S'ils sont d'accord, nous organisons le tout le 30 décembre, ici à Kinshasa, Stade des Martyrs, 120 000 places, ou Stade Tata Raphaël, 80 000 places. Des artistes s'y sont essayés et nous avons vu les résultats. Donc nous voulons que Lady Ponce vienne ici à Kinshasa et qu'elle y arrive. Faites-lui passer ce message parce que la Fally Ipupa Foundation veut apporter un geste et un sourire. Merci. Hello la famille, sortez ou sortez, c'est chaud. Bienvenue d'abord sur votre page du Buzz Pro Mars, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réel. Chaque jour qu'on danse, se réveille à les nouveaux dossiers. Et cette fois-ci, c'est dans le continent où il y a le nouveau dossier. Maman, c'est chaud depuis le matin, non? Il y a les balles qui circulent un peu de partout là, à gauche et à droite. Ça prend le Cameroun, ça prend le Congo Kinshasa, ça prend. Bon, je vais essayer de vous raconter le Japon dans les détails parce que la vidéo que vous venez de suivre là, c'est la vidéo de l'un des proches collaborateurs de Fally Ipupa qui a fait cette sortie. Apparemment, donc, hier, sur la page de Camtel, qui est la Cameroun Telecommunication, qui est la société en charge de la communication au Cameroun, a annoncé un show explosif à Douala le 31, je crois que c'était le 30 décembre, un truc comme ça, le 31. Et en tête d'affiche, ils ont mis qui? En tête de fiche, ils ont mis Fally Ipupa, la méga star. Fally a relayé sur sa page et tout, ça a donc commencé à indigner certains artistes camerounais. Comment notre société qui fait dans la Cameroun Telecommunication, nous on consomme camerounais et ils invitent un étranger, c'est donc aller dans tous les sens. Oh, yo. C'est d'abord Lady Ponce qui a commencé le mouvement, elle a commencé à écrire. Quand on reclame nos droits d'auteur, ce n'est pas normal ce que vous faites. Je n'ai aucun problème avec Fally, mais ce n'est pas un étranger qui doit être en tête d'affiche dans une société camerounaise et tout. Ils ont parlé. Et comme vous savez que les paroles d'une personne ne font pas souvent l'unanimité, non. Elle a parlé ça hier, je crois. Aujourd'hui, Monsieur le Charismatique est sorti la tacle pour dire que. Donc, depuis que tu mangeais les cachets de la présidente, les gros cachets un peu de partout là, personne ne parlait. Tes artistes, même tu les payes mal, pourtant tu fais des tournées internationales. Il y a même un là qui est mort. Et là, c'était son ami qui était mort. Oui, lui aussi, c'est l'un de la mairie pour dire qu'il est mort. Parce que. Il y avait une exigence et pour son deux, même les dépenses n'ont même pas contribué une somme de 100 000. Pourtant, c'était son danseur principal, son chorégraphe et le meilleur ami de Mossi le charismatique. D'autres artistes ont récupéré sa malox. Ils apportent leur soutien à Fally pour dire qu'eux, ils seront au concert. Hein. Désolé, mais ils seront au concert. Vous savez, ce problème qui divise a une opinion divisée parce que certaines personnes soutiennent les dépenses ou disent oui, c'est une entreprise locale. D'autres personnes disent que non. Quand on prend le vivre ensemble, on dit qu'on est le continent, on doit aussi s'apprendre
à accueillir les étrangers. On doit apprendre à accueillir les étrangers. Par exemple, voilà Diana Boulay qui subit les problèmes là-bas tout simplement parce qu'on ne l'accepte pas. Il ne faut pas que nous ne faisons pas au couille, c'est qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Malgré tout, ils ont quand même inséré les biens de Caracas, Menou et tout, ils vont se prester à ce concert. Que chacun reclame ses droits. Il est bien vrai, il a raison, mais faire de tout cela un plat, c'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon pour l'image du Cameroun. Pas du tout. Je pense que le manager de Fally a tout dit dans la vidéo. Et moi également, je le soutiens plus que les dépenses, malgré qu'elle a raison. Mais c'est un peu ça. Fally, c'est la politique du marketing. Il veut le rentabiliser. Fally est tellement consommé au Cameroun que je pense pas que quelqu'un peut remplir une salle de concert ou bien un stade comme lui. On reste à l'écoute. Pour le moment, le clash s'attire vraiment partout. Ça tire dans tous les sens. C'est ce qui fait la une maintenant. Là. Et moi, je ne pourrais pas rester sans venir en décortiquer avec vous, la famille. En tout cas, je vous donne un bref aperçu sur ce problème. Restez connectés pour la suite.